le sound painting, je peux vous en parler peut-être un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas. Je pratique ça depuis une petite douzaine d'années. C'est un concept américain qui nous vient de Walter Thompson, qui est un saxophoniste new-yorkais, qui vient du milieu free jazz, qui était batteur aussi à la base, et qui a voulu en fait organiser ses sessions d'improvisation free par l'intermédiaire de gestes. Donc du coup, vu que ça date des années 70, le langage a beaucoup évolué. Il y a à peu près autour de 1000 signes maintenant dans le sound painting. On n'en a pas fait 1000, là vous doutez bien, sur cette séance, c'est un peu court. Le projet de base avec le sound painting, c'est de pouvoir en fait s'adresser à toute discipline. Là on n'a que des musiciens sur scène, mais on aurait pu le faire avec des comédiens, ou des danseurs, ou des plasticiens, enfin différents types de disciplines artistiques. Je vais vous montrer... Non, je ne vais pas vous montrer. Ou peut-être plus tard. Je fais chier en temps réel. Non, je ne vais pas vous montrer, je vous montrerai plus tard. We'll be right back.